Voilà, je voulais remettre un petit peu en mémoire toutes ces images. Cette chanson, c'est un hommage en fait au peuple égyptien parce qu'il faut vraiment surmonter la barrière psychologique de la peur pour pouvoir descendre dans la rue contre un régime qui a une armée. Voilà. Je vais d'abord commencer par les prémices de la révolution. C'est important de le rappeler parce que une révolution, ça ne surgit pas n'importe quand et n'importe comment. Il y a tout un contexte. Et effectivement, pour ce qui s'est passé en Égypte, il y a l'affaire Khaled Saïd qui s'est déroulée en juin 2010, où un jeune blogueur issu des classes moyennes, a été arrêté par la police, salement torturé. Et à ce moment-là, effectivement, son visage, ainsi que son visage torturé, a fait le tour des réseaux sociaux. C'est ce qui a commencé à alerter l'opinion et qui a provoqué le fait que un mouvement de jeunes, le mouvement des jeunes du 6 avril, s'est emparé de cette affaire pour commencer à mobiliser la jeunesse égyptienne. Ils ont créé une page qui s'appelle Ismi Khaled Saïd, c'est-à-dire mon nom est Khaled Saïd, et ils ont commencé à organiser des flash mobs, notamment à Alexandrie, où devant le front de mer, des jeunes sont descendus par milliers, habillés en noir, dos à la mer, et ont levé la photo de Khaled Saïd. Mais c'était des flash mobs très éphémères, parce qu'évidemment, la police était là, réprimait, ramassait les gens. Parallèlement, quelqu'un qui a été connu plus tard comme blogueur, qui a été médiatisé, y compris sur les médias occidentaux, Wael Ghanem, a créé une page « Nous sommes tous Khaled Saïd »,
qui a réuni des millions de followers. Donc l'opinion publique, notamment la jeunesse, était très sensibilisée par ce qui s'était produit. Et pour avoir rencontré le responsable du mouvement du 6 avril, il m'a expliqué que pendant des mois, ils ont appelé à des manifestations, donc tous les mois, et que ce mouvement n'est lui-même pas né n'importe quand, puisqu'ils sont nés donc le 6 avril 2008 en soutien aux grévistes des manufactures de Mahal al-Kubra. Mahal al-Kubra, c'est situé à 50 km du Caire. C'est d'énormes filatures et il se trouve qu'à l'époque, il y avait donc une grève très très dure qui a été fortement réprimée. Le 6 avril, l'armée a tiré sur les grévistes, sur les manifestants. Et donc à ce moment-là, des jeunes comme Ahmed Maher et d'autres, ce sont des jeunes éduqués, issus de la classe moyenne, ont commencé à activer, effectivement, se sont portés en soutien aux grévistes et aux ouvriers de Mahal al-Kubra. Et ils ont continué effectivement à mener des actions tout le long, d'autant qu'en 2010, on avait des élections législatives en décembre qui se sont avérées très frauduleuses en fait, et que la perspective c'était une nouvelle élection en 2011 présidentielle, avec une rumeur qui circulait dans toute l'Égypte que le fils de Moubarak prendrait la relève, le problème de la succession de Moubarak. Gamal Moubarak, qui était connu comme un affairiste, qui avait été condamné pour des affaires frauduleuses en bourse. Donc il y avait tout un contexte. Le lendemain, donc le 2 février, on a une réaction des pro-Moubarak. Je pense que certains d'entre vous ont vu ces images ahurissantes à la télé, de convois de chameaux et de cavaliers juchés sur des chameaux et des chevaux. Qui assaillent la place, qui viennent. Ce jour-là, effectivement, 2 et 3 février, on a les anti-Moubarak qui décident d'attaquer les occupants de la place, et le problème, c'est que l'armée les laisse passer. Donc, à ce moment-là, les gens se demandent effectivement si l'armée est vraiment l'alliée, puisqu'elle permet que des assaillants qui s'étaient regroupés dans différentes places du Caire aussi, puissent venir pour attaquer la place. Et oui, ça a été très violent puisqu'il y a eu des morts, et que ce jour-là, j'insiste là-dessus, si les supporters des clubs de foot, et notamment je pense au club de l'Ahli du Caire, ainsi que la jeunesse des frères musulmans, n'avaient pas défendu la place, je suis convaincue que ça aurait mis un terme à tout. J'en suis convaincue. À ce moment-là, les gens se sont battus pour défendre la place. Il y a eu des morts, il y a eu des centaines de blessés. Et donc, le mythe de la révolution pacifique avait fait long feu. Même si les manifestants étaient à l'origine pacifiques, ils se sont mis effectivement en autodéfense et ça a été très très dur et très très difficile, d'autant qu'avec les assaillants, ben, la police effectivement rentrait et on a eu des tirs de snipers sur les manifestants et des morts. La place tient. Donc le 11 février, Omar Suleiman, qui est le patron des services secrets égyptiens et nommé vice-président, annonce que Moubarak décide de se retirer, et donc là on a la liesse générale effectivement, et on a les premiers départs des manifestants à ce moment-là, parce que quelques jours après, le 14 février, le Conseil suprême des forces armées sort de l'ombre et déclare qu'il va assurer provisoirement la direction des affaires du pays pendant 6 mois. Donc les gens pensent qu'effectivement ils ont gagné, et une grosse partie des manifestants quittent la place, et à ce moment-là effectivement les classes populaires restent. Bien sûr, le Conseil suprême des forces armées annonce qu'il suspend la constitution et qu'il va indiquer un agenda électoral à venir pour assurer une transition démocratique. J'insiste là-dessus parce que ce qui m'a fort surpris à l'époque,
en discutant notamment avec des hommes politiques qui se sont présentés au présidentiel, c'est que je les ai trouvés bien naïfs, en fait, en pensant que la démocratie pouvait naître à l'abri des mitraillettes. Ça a été la première question que j'ai eue, en me disant, mais quand une armée assure une transition et qu'elle ne se retire pas, est-ce qu'on peut croire que c'est une transition démocratique? Donc ça, c'est l'objet finalement, de ma deuxième grande question. Est-ce qu'il peut y avoir un bouleversement à l'abri de mitraillettes et avec une armée qui tient un pays? Voilà. Donc là, je vais passer à l'acte 2, où les classes populaires donc, décident de rester sur la place. Et à ce moment-là, on a des slogans plus en phase avec la question sociale, en fait, la justice sociale, qui est au cœur de tout phénomène révolutionnaire. Donc vraiment, on pose la question sociale. Et là, c'est le grand slogan, c'est pain, liberté et justice sociale. On a des dizaines de manifestants qui restent sur la place Tahrir pour maintenir une pression sur un gouvernement de transition qui se met en place, avec des technocrates et surtout avec des ministres issus de l'Ancien Régime. On n'a pas de réel changement. Je pense notamment à quelqu'un qui est nommé, qui s'appelle Ahmed Chafik, qui était le dernier Premier ministre de Moubarak, par exemple, avec aussi au ministère de l'Intérieur toujours le même Mohamed Ibrahim, qui était connu comme un ministre de l'Intérieur très dur, hein, très redouté. Et puis évidemment, un militaire au ministère de la Défense, en l'occurrence le maréchal Tantawi, qui lui dirige aussi le SCAF, donc Conseil suprême des forces armées. Je choisis l'acronyme anglais parce qu'il est plus pratique que l'acronyme français, en fait. Et là, on a un couvre-feu qui est instauré directement entre 23h et 6h. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la place, si vous dépassez 23h, vous êtes coincé, et si vous circulez à 2 minutes près, et ben c'est ce qui m'est arrivé, on m'a arrêté et j'ai fini la nuit dans une guérite avec des soldats. Ça a été une super expérience parce que ça me permettait de sonder l'état d'esprit des jeunes soldats, en fait, qui étaient issus des classes populaires, hein, issus du peuple, les soldats de l'armée égyptienne, qui n'étaient pas du tout contents d'être là et qui ne se voyaient pas aller tirer sur ce qu'ils considéraient comme des frères et sœurs, finalement. Donc voilà. Et ça m'a donné une idée aussi de ce que pouvait être à un moment donné un point de bascule, parce que ces soldats n'étaient pas seuls, hein, ils tenaient des points, donc le Caire était complètement, tous les axes du Caire étaient occupés par des chars, par des véhicules blindés comme nos fameux Renault Trucks. Quand j'ai vu les Renault Trucks là-bas, j'ai été choquée en me disant, mais la France vend des armes pour une répression. J'ai vu aussi les fameux Sherpas, les Sherpas qu'on a revus entre nous sur le port de Marseille il y a 2 ans à peu près, quand il y avait les grosses manifestations sur le logement, etc. C'était les fameux véhicules blindés qu'on avait au Vieux-Port, en bleu marine. Moi, je les ai vus aux couleurs de l'armée égyptienne là-bas, ils étaient déjà là-bas. Et effectivement, ça m'a fait un coup de dire, mais la France vend des armes là. Et ces armes, elles vont servir à la répression. Et ça, on le verra plus tard, effectivement, puisque des manifestants se sont fait écraser par des Renault Trucks devant l'immeuble de la télévision quand ils ont manifesté. Et donc, on a des classes populaires donc, qui restent sur place, qui occupent les lieux. Et à ce moment-là, les manifestants demandent le départ des militaires. Très fortement. Mais là, ce sont les classes populaires. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les vendredis, donc, on a toute la semaine des occupants. Et le vendredi, donc, il y a les gens qui sont allés travailler pendant la semaine, viennent directement après la prière du vendredi. Toujours. Donc, on a un gonflement de tous les occupants de la place ce jour-là. Et ça, pendant des mois et des mois. Et le 8 mars, ça arrive la journée de la femme. Et là, les manifestations, donc les féministes, viennent sur la place pour discuter avec les gens.
C'est la première tentative d'évacuation de la place que je vois. À la fin de la journée, l'armée se met en place et investit la place. Elle est accompagnée de tas de jeunes qui sont à ses côtés, qui crient toujours « Cher Jeïchouda Yedwarda », c'est-à-dire « Peuple et armée main unie », mais qui sont là pour démanteler les tentes aux côtés de l'armée. Il se trouve que je me baladais autour de la place et que la place était régulièrement assaillie par d'autres jeunes de quartier qui étaient payés. Et j'ai assisté, moi j'ai été témoin de policiers dans un quartier près de Tahrir, Abdin, qui payaient des jeunes pour venir assaillir la place. Donc là, l'armée était accompagnée de jeunes. Et ils ont déguerpi la place à une allure, en cassant, en frappant, etc. Mais ce jour-là, ils n'ont pas tiré. Ce jour-là, j'ai été arrêtée. Je me suis retrouvée dans une guérite devant le musée du Caire. Et j'ai vu arriver toutes les personnes arrêtées. Et les soldats, ils s'entraînaient déjà avec leur matraque électrique sur les chars. Et le lendemain, on a appris que des femmes arrêtées, des jeunes filles arrêtées avaient subi des tests de virginité et qui, dans le musée du Caire, au sous-sol, et qui avaient eu effectivement des personnes, des jeunes manifestants torturés au musée du Caire. Ça a été terrible. Premier coup de semonce sur la population, ou avec des méthodes très dures, notamment les certificats de virginité qui sont symboliquement, des tests de virginité qui sont symboliquement un viol, on signifie à ce moment-là à la population que si les femmes descendent dans la rue, elles pourraient se faire violer. Il y a eu des viols ensuite sur la place. Ça s'est produit. Il y a eu des agressions de jeunes femmes qui ont été violées. Il y a eu notamment, ça a été relayé après, parce que la journaliste de France 24 a failli aussi se faire violer. Il y a eu l'utilisation de cette arme pour effectivement faire peur aux gens en disant si vos filles descendent sur la place, elles vont se faire violer, clair et net. Et les premiers cas de torture qu'on a relevés à ce moment-là, où des jeunes nous montraient effectivement les traces qu'ils avaient sur le corps des matraques électriques. Mais de la part des militaires, pas de la police. Pas que de la police, de la part des militaires. Et donc, petit à petit, on se rend compte que, à la fois, il y a une population qui continue à manifester, mais qu'en même temps, des groupes indépendants, notamment une coordination de révolutionnaires, entre guillemets, qui comprend à la fois les jeunes du 6 avril, des gens de Kifaya, des libéraux et des frères musulmans, est en discussion avec le Conseil suprême des forces armées pendant ce temps. Pendant que le peuple manifeste, effectivement, d'autres sont en discussion avec le SCAF pour organiser la transition démocratique, entre guillemets. Et là, je comprends ce que c'est que la lutte des classes, tout simplement. J'ai compris que selon le positionnement de classe qu'on avait, on n'avait pas forcément les mêmes intérêts. Et que ceux qui discutent, effectivement, qui vont participer au procès de transition démocratique, n'ont pas forcément les mêmes intérêts que le Chad, la masse, le peuple, qui est resté sur la place Tahrir, et qui, lui, va commencer à être réprimé. Donc, l'armée, à ce moment-là, au mois de mars, donc le SCAF, donne un calendrier, organise un référendum sur la Constitution, pour le 19 mars. Et de quoi il s'agit? C'est très simple. Plutôt que de mettre en place, dans tout processus logique, une assemblée constituante d'emblée qui produirait un texte qui sera ensuite soumis à un référendum au peuple, le SCAF décide uniquement de proposer quelques amendements, c'est-à-dire un lifting constitutionnel en disant le temps presse, il faut y aller vite, il faut organiser des élections législatives et ensuite des élections présidentielles. En fait, d'emblée,
Il m'apparaît à ce moment-là que le calendrier est trop précipité pour qu'on y mette sa confiance, en fait. Et que les amendements qui étaient proposés, c'était vraiment des amendements sur la durée uniquement du mandat présidentiel, mais que l'essentiel n'y était pas, à savoir le rôle de l'armée. On ne touchait pas à la fonction de l'armée, on ne touchait pas au budget militaire, on ne touchait pas aux nominations des militaires, on ne touchait pas aux prérogatives des militaires. Mais malgré ça, les gens vont voter. Et effectivement, on a 77% de oui pour ces amendements de la Constitution, avec un taux de participation très important, puisque quand même 41% du corps électoral, ce qui est quand même important en Égypte, compte tenu du fait que dans ces pays-là, en général, on a une espèce de vote censitaire. Hein, la population, la populace, entre guillemets, est souvent écartée des votes. Et on a en gros un corps électoral d'à peu près 20 millions de personnes qui va voter en Égypte, pour 80 millions de personnes. Hein? On enlève une grosse partie, les enfants, on enlève la moitié de la population. Donc disons, on a 20 millions sur 40, 50 millions qui étaient en âge de voter. Mais c'est un premier apprentissage démocratique, qui fait qu'on a pour la première fois, disons, des élections qui ne sont pas fraudées. Cette bataille électorale, elle a dispersé entre guillemets, les tenants de la révolution, ceux qui participaient. On a vu un camp libéral se mettre en place, les islamistes se mettent en place, des révolutionnaires, entre guillemets, se mettent en place. Donc il y avait une partie qui allait pour les élections et pour le référendum. En gros, les libéraux et les frères musulmans étaient pour le référendum. Et on avait des révolutionnaires qui étaient à ce moment-là contre les référendums parce qu'ils pressentaient qu'ils allaient être spoliés. Donc ça a donné lieu à des batailles très âpres et surtout à des débats télévisés. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Égypte, il y a des télévisions, du moins privées, pas libres, mais privées, et que, en général, au lieu d'avoir lieu au Parlement, les débats ont lieu à la télévision dans des talk-shows. Donc on a eu des débats très durs à la télévision dans toute cette période. Et arrive donc une journée particulière, puisque au fil du temps, donc, on a un deal avec le SCAF pour aller à des élections législatives. Les libéraux, les frères musulmans, la plupart des partis constitués marchent. Et donc, la consigne qui est donnée, c'est videz la place. Débrouillez-vous, mais videz la place. Et donc, et au fur et à mesure du temps, effectivement, on a une espèce de guerre de territoire qui se met en place sur Tahrir, où effectivement un rapport de force doit s'imposer et les Frères musulmans, qui sont l'organisation la plus structurée d'Égypte avec l'armée en fait, et l'ancien parti unique, le Parti national démocratique, font une démonstration de force en investissant la place le 8 avril, en organisant un jugement symbolique de Moubarak. Et excusez-moi. Et en donnant pour consigne, c'est le dernier jour, dispersion. On va aux élections. Et c'est vrai que leur intérêt à l'époque, c'était d'aller aux élections le plus vite possible, puisqu'ils pressentaient qu'ils allaient les gagner, et effectivement, ils les ont gagnés. Et donc, ce 8 avril, alors qu'eux avaient fait une installation énorme sur la place, et pour finaliser la révolution, donc un grand show, des juges étaient sur les tribunes, des juges indépendants étaient présents,
et on allait juger symboliquement Moubarak. À ce moment-là, je vois arriver sur la place des soldats. Et en fait, il s'agissait d'un bataillon d'une centaine de soldats qui arrivaient de Suez avec des officiers qui se disaient libres. Et donc moi, dans ma tête, je me dis officier libre, ça me rappelle quelque chose, mais ça me rappelle la révolution des œillets du Portugal. Et donc ces officiers sont acclamés, il y a une ambiance mais extraordinaire, une euphorie, la population pense, ça y est, elle a gagné, l'armée est avec nous. Et donc ils font le tour des différentes tribunes qui étaient installées, des estrades qui étaient installées sur toute la place. Chaque courant de la société égyptienne est parti, avait son estrade. C'était intéressant cette place parce qu'elle était déjà partagée en courant en fait. Sachant que le courant dominant était les frères musulmans à ce moment-là, qui paniquent. Ils paniquent pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur d'être accusés de faire alliance avec des militaires séditieux. Ils paniquent tellement qu'effectivement, ils ordonnent la dispersion des gens et que les gens issus des catégories populaires restent sur la place, décident de défendre ces officiers séditieux. À l'époque, j'ai interviewé Yasser, qui était un des officiers libres, et on a parlé de la révolution des œillets. Je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu es ici ? Et il me dit, nous, on est ici pour veiller uniquement à ce que le SCAF remette le pouvoir aux civils. Donc on était vraiment dans la dynamique de la révolution des œillets. C'était extraordinaire. Sauf qu'à ce moment-là, effectivement, l'armée investit la place. Et je vous montre ce document parce qu'effectivement, il a été passé complètement, cet épisode a été passé complètement inaperçu pour la bonne raison que la plupart des médias internationaux étaient absents. En fait, ils étaient partis après la destitution de Moubarak et qu'on était très peu de journalistes à être sur place. Et là, l'armée tire sur la foule, massivement, bien sûr, il y a des morts, pour tenter de s'emparer des officiers insurgés. Ça nous fait peur aussi, c'est normal. Voilà les véhicules français. Je vous les montre parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps de cette vente de véhicules et notamment Human Rights Watch qui a expliqué comment à des moments donnés le matériel français servait à la répression de la population en Égypte. Et donc cet épisode est passé complètement inaperçu. Tellement inaperçu que le lendemain à 6h du matin, la place était nette, l'armée avait tout nettoyé. Rares sont les témoins visuels en fait. Et à partir de ce moment-là, y a eu une répression systématique de la population. Les gens ont continué à arriver sur la place Tahrir, bien sûr, tous les vendredis notamment. Il y avait un noyau dur qui occupait le centre de la place, qui a essayé de reconstituer les tentes, etc. Et tous les vendredis, donc la population redescendait, notamment les quartiers populaires, les populaires venaient, pour demander la libération des détenus, parce qu'à ce moment-là, à partir de là, effectivement, dès le mois de mars aussi, les tribunaux militaires se sont mis à siéger. Et je me souviens qu'on allait devant les tribunaux militaires et que je voyais effectivement les camions de police déverser leur lot de manifestants arrêtés, qui levaient leur t-shirt, qui montraient leur torture, et ils étaient systématiquement condamnés à 3 ans de prison. C'est-à-dire que quand vous étiez à cette période arrêté en manifestation en Égypte, vous alliez en prison automatiquement, quoi. Torturé et en prison. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait une volonté de punir le peuple déjà. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant, puisque le pire
est arrivé par la suite. Donc là, on a environ à peu près à cette période, les ONG de défense des droits humains internationales ont dénombré 12 000 civils qui ont été jugés par des tribunaux militaires. Mais dans le même temps, on a des manifestants qui se déplacent partout. C'est-à-dire que la place Tahrir est un épicentre, mais en même temps, par exemple, j'ai suivi les enseignants et les lycéens qui allaient devant le ministère de l'Intérieur, les familles détenues qui allaient aussi devant les tribunaux, les manifestations devant le syndicat des journalistes. Enfin, dans plein d'endroits de la capitale, les gens manifestaient d'une façon plus corporatiste, disons, chacun pour demander ses droits, et notamment les droits économiques et sociaux. En juillet, la place est de nouveau occupée, mais cette fois, ce n'est plus les frères musulmans, on a entre guillemets les libéraux progressistes qui arrivent sur la place, et on a une toute autre ambiance, et eux, effectivement, ce qu'ils demandent, c'est que c'est le départ de Tantawi. Cette fois, c'est clair. Ils ont compris, quand ils ont vu la répression qui s'est abattue sur le petit peuple sur la place, ils ont compris que l'armée ne partirait pas comme ça. Donc ils ont demandé, effectivement, ils sont revenus sur la place massivement pour demander le départ du maréchal Tantawi et du SCAF. Et parallèlement, on a effectivement, dès ce mois d'août, le début du procès de Moubarak qui va durer tellement longtemps que même les Égyptiens vont en être lassés finalement, et la presse internationale va s'en lasser, puisque dans un premier temps, on va le faire venir sur une civière malade, puis on va le mettre à l'hôpital militaire, puis on va considérer qu'il n'est pas forcément responsable des morts du début de la révolution sur la place, donc on va le laver de ça, puis on va le laver des dossiers de corruption, et finalement il sera libre, et il mourra de sa belle mort à l'hôpital militaire du Caire. Il y a à peu près 2 ans. Hein. Lui, idem pour le ministre de l'Intérieur, Habib Adli, qui avait donné l'ordre aux policiers de tirer. Ils ont été lavés de tout, finalement. Et effectivement, on peut en conclure que les loups ne se mangent pas entre eux, puisque le système est toujours présent à ce moment-là. Et l'agitation va continuer quand même à se poursuivre, même si on met en scène le procès de Moubarak pour calmer la population. Mais la population ne se calme pas finalement, l'agitation continue, et on arrive à octobre 2002, c'est important parce qu'à ce moment-là, les Coptes, qui forment à peu près 10% de la population égyptienne, décident eux de manifester. Ils étaient déjà présents place Tahrir, mais plus discrètement. Je voyais quelques panneaux par-ci, par-là, avec des croix, sans, des croix ensemble, etc. Cette fois, il y a une manifestation qui est organisée du quartier de Choubra, et Choubra, qui est pas très loin de la place Tahrir, hein, on est encore au Caire, c'est un quartier particulièrement copte, donc une manifestation arrive, et en direction de Tahrir, mais surtout elle va à Maspero, qui est situé de l'autre côté de la rive du Nil, en face de Tahrir, qui est l'immeuble de la radio-télévision égyptienne, comme on a notre immeuble, de l'ancien immeuble de l'ORCF à Paris. Et les Coptes, c'était un lieu de prédilection de manifestation des Coptes, finalement. Et quand ils arrivent ce jour-là, donc devant Maspero, l'armée tire, l'armée les réprime, l'armée les écrase, mais les écrase au sens propre du terme, puisque c'est devant Maspero que des Renault Truck ont écrasé des manifestants, vraiment. Ça a été un message très clair et très sanglant, chacun à sa place. Dans ce genre de régime dictatoriaux, effectivement, on vous signifie tout de suite la ligne rouge. Et à ce moment-là, on a signifié à la communauté copte d'Égypte qu'elle ne devait pas bouger. Alors, traditionnellement, il faut dire que les Coptes se sont toujours rangés du côté des pouvoirs pour des raisons de protection. Quand on est une minorité dans un pays où la majorité est musulmane et où il n'y a pas de liberté du tout,
Donc jusqu'à présent, effectivement, les Coptes ne bougeaient pas. Ils ont toujours été très neutres en matière politique, sauf au moment des élections où ils savaient très bien qu'il fallait voter comme il faut. Voilà. Et puis, on propageait, alors à ce moment-là, effectivement, au Caire, on a capté des tas de rumeurs. Là, ils étaient montés à Maspero pour protester contre l'incendie d'une église. Et il y avait des tas de rumeurs à l'époque. Il y avait une ambiance d'insécurité très forte. On avait à la fois tous les luminaires des rues qui étaient quasiment éteints. Ça donnait une ambiance très sombre. Le couvre-feu, l'armée dans la rue et un climat, vraiment un vrai climat d'insécurité, parce qu'en même temps les gens savaient que beaucoup de droits communs avaient été libérés des prisons. Fallait bien libérer les droits communs pour mettre les politiques, évidemment les personnes arrêtées, fallait leur faire de la place, qu'il y avait une recrudescence donc des agressions, recrudescence des cambriolages, que dans certains quartiers les gens avaient monté des rondes, eux-mêmes, des habitants, avaient mis des mini-barricades devant leur rue, donc puisque la police à ce moment-là avait disparu de la circulation en dehors de se concentrer sur les lieux de manifestation, elle n'assurait plus rien, même pas la circulation. La police avait disparu. On avait l'impression que d'un espèce déjà de mini-chaos organisé, quoi. On laissait les gens livrer à eux-mêmes. Et le message, c'était nous, le chaos, déjà, nous, le chaos. Nous, c'est-à-dire l'armée, l'ordre, ou le chaos, si vous restez entre vous. Il n'y a pas de souci. Et donc, je pense qu'une partie de la population avait compris ce message, puisque petit à petit, on avait de moins en moins de manifestants place Carthage. Ça s'est senti. Et donc, en novembre, l'été passe 2011, et en novembre, on a quand même des gens qui reviennent à la charge pour demander un pouvoir civil. C'est-à-dire que les Égyptiens s'entêtent, effectivement. Et à ce moment-là, en novembre, on a aussi les frères musulmans qui viennent dans la rue pour demander un pouvoir civil. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment, et c'est des dirigeants frères musulmans qui me l'ont expliqué, qu'en face, ils ont une institution très forte, c'est l'armée. Et que s'ils ne jouent pas la rue et la population, 80 millions d'Égyptiens, c'est pas rien. Une petite manifestation en Égypte, c'est pas comme à Marseille, c'est pas des dizaines de personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes, tout de suite. Donc c'est très impressionnant. Ils jouent la rue, les frères musulmans, pour essayer aussi d'imposer un pouvoir civil et accélérer le calendrier des élections. Et à ce moment-là, on a les premiers clivages, effectivement, entre les révolutionnaires et d'autres partis politiques qui sont accusés de trahir la révolution. On a la première logique des camps qui se met en place. D'un côté, les révolutionnaires, mais les révolutionnaires, c'est les groupes, surtout de jeunes, mouvement du 6 avril, Kifaya. Donc, c'est des petits groupes pas très représentatifs, en fait, en termes de nombre, mais qu'ils ont un fort écho par rapport à ce qu'ils demandent, puisqu'ils parlent en phase avec la population la plus misérable d'Égypte, abandonnée, etc. Donc ils parlent en phase avec elle, en fait. Donc ils sont en même temps très populaires, même s'ils ne sont pas nombreux. Et de l'autre côté, les partis classiques, donc frères musulmans, le parti Gad d'Emmanuel Nour, les libéraux, qui, eux, ont décidé d'aller aux élections et qu'il fallait calmer le jeu complètement. Et ça n'empêche que quand même, en décembre, on a des sittings devant le palais présidentiel, par exemple, le palais du gouvernement, pour demander d'aller un pouvoir civil, pour demander aussi la réforme d'institutions. Et notamment, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Institut d'Al-Azhar,
qui demande à ce que l'institut religieux dans l'Adjar soit désormais indépendant. Alors ça c'est important parce que jusqu'à présent, pour se légitimer, les présidents successifs égyptiens s'étaient toujours auréolés de la légitimité religieuse qui émane de l'institut islamique d'Al-Azhar. Et là, pour la première fois, on a un institut qui demande à être indépendant. Et donc, en décembre, le 19 décembre, il y a un ouléma, un théologien d'Al-Azhar, qui est tué devant le palais du gouvernement. C'est un sniper qui l'a tué. Il l'a visé volontairement. Parce que là encore, on envoie un message à ces gens-là, aux gens de l'institut, à leurs étudiants, restez à votre place. J'insiste là-dessus parce que on a du mal ici, quand on n'est pas à l'intérieur de cette culture du monde arabe, à décoder ce genre de message où à chaque catégorie de la population, on lui indique les limites à ne pas franchir comme ça, en tuant directement ou en réprimant très fortement. Et donc, les élections se sont tenues en novembre, donc grosse campagne électorale. Et à ce moment-là, j'ai suivi la campagne des Frères musulmans pour savoir où ils en étaient, quelle popularité ils avaient, etc. Et donc, en novembre, les élections ont lieu. Et en janvier, c'est-à-dire plus d'un mois et demi après, on donne le résultat. Sur 508 sièges, on a 222 députés Frères musulmans. On a 122 députés issus d'un parti qui a été créé dans cette période à la droite des Frères musulmans. C'est le parti Salafi El-Nour, donc encore plus intégriste que les Frères musulmans. Et on a derrière l'ancien parti, en troisième parti, le parti Wafd, qui arrive avec quand même 39 députés, et puis après des miettes pour le reste. Donc effectivement, ça crée un grand mécontentement de l'opposition libérale et de gauche qui se rendent compte qu'ils ne sont pas populaires finalement, puisqu'au niveau électoral, il n'y a pas de rendu. Et le 25 janvier 2012, on a cette fois pour le premier anniversaire de la Révolution, on a les musulmans qui fêtent leur victoire sur la place Tahrir. Mais on a aussi, entre guillemets, des révolutionnaires qui espèrent aussi poursuivre la révolution, qui sont aussi là. Mais on a petit à petit un clivage qui se met en place et qui va s'aggraver avec le temps, notamment quand le président Morsi sera élu. Dans cette même période, donc tout de suite après, en février, on a un drame, c'est important, c'est pas de l'épiphénomène, qui se produit à Port Saïd. C'est qu'on a les supporters, donc on a un match de foot. Il faut dire qu'à cette période-là, les stades de foot sont politisés. Les supporters manifestent aussi dans les stades de foot. Et je vous rappelle que ceux qui ont défendu la place sont les supporters de foot aussi, qui étaient férus au combat de rue. Le club de Ahli donc, fait un match retour à Port Saïd. Et ce jour-là, ils se font massacrer, en fait, dans le stade, sans que la police intervienne. Ils se font massacrer par d'autres supporters, entre guillemets, ou peut-être des jeunes payés, on ne sait pas, sans que la police intervienne, 79 morts hein, sur un stade, lynchés, étranglés, tabassés. 79 morts, hein. C'est énorme. Et là, c'est la stupeur générale, et la vox populi est persuadée que l'armée s'est vengée, justement, que le régime se venge de ses supporters qui n'ont pas su rester à leur place. La campagne présidentielle démarre, donc il y a tout un contexte qui est explosif un petit peu partout en Égypte, mais ça n'empêche pas le calendrier électoral de se poursuivre, puisque ce qu'a vendu le SCAF à l'international et notamment aux occidentaux, c'est nous mettons en place un processus démocratique, donc une transition démocratique, donc des élections démocratiques. Effectivement, durant cette période,
L'ONU envoie des observateurs pour vérifier que les scrutins sont réglo, et ils le seront effectivement à quelques exceptions près. Et là, donc la campagne présidentielle démarre, et on a des candidats. On a notamment Abdelmonem Abdelfotour, qui est un dissident des Frères musulmans, qui au départ, les Frères musulmans ne voulaient pas présenter ce candidat. Donc lui, il s'est détaché, avait déclaré sa candidature dès le mois de mars 2011. Là, on est arrivé en février, début de la campagne électorale. Il était aussi, c'est le président, c'est un libéral, hein, c'est un frère musulman social-démocrate. Il est président du syndicat des médecins. On a Mohamed Morsi, donc le candidat désigné par les frères musulmans, à défaut, par défaut, de pouvoir maintenir la candidature de Khairat Chatter. Khairat Chatter, qui était sorti de prison, c'est un frère musulman opposant, il avait fait de la prison. Or, la nouvelle loi électorale disait que ceux qui sortaient de prison ne pouvaient pas se présenter, même si c'était pour des raisons politiques, les raisons de la prison. Donc, il a été disqualifié et remplacé par Mohamed Morsi. Et puis, on a Emmanour, que j'ai rencontré, qui est un libéral, en fait, disons un centriste de l'ancien parti GAD, demain, qui était une personnalité très populaire en Égypte parce qu'il avait affronté Moubarak lors des élections de 2005, sauf qu'à ce moment-là, il avait dénoncé la fraude et il avait fini en prison. Donc lui aussi a été disqualifié, puisqu'il était sorti de prison en 2009 et qu'il fallait être sorti de prison depuis au moins 6 ans pour pouvoir candidater. Mais il était en prison pour des raisons politiques, hein, aussi, donc il a été disqualifié. On avait Emar Souleyman, effectivement, le patron des services qui se présentait comme candidat, évidemment. Amar Moussa, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et évidemment Ahmed Shafik, qui était le candidat de l'armée, dont l'ex-premier ministre de Moubarak. Et donc, pour terminer cette liste, un candidat qui sort aussi, qui était assez populaire, Abdel Tabari, placé plus à gauche, qui lui est un socialiste nasseriste. Donc ça, c'est les principaux candidats de la campagne. Et au final, on va avoir un second tour entre Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans, soutenu donc par une partie aussi des libéraux, hein, et soutenu aussi par des révolutionnaires, et en face de lui, donc le candidat du régime, Ahmed Shafik. En juin, donc les élections vont avoir lieu, et tout de suite, entre les deux tours des élections présidentielles, l'armée, par le biais de la Cour constitutionnelle, décide de dissoudre le Parlement élu, le premier Parlement élu qui était majoritairement, disons, islamiste. L'armée dissout le Parlement. Ça veut dire qu'on va avoir un président qui va être élu sans Parlement. Premier écueil pour ce président. Et le SCAF s'arroge les pouvoirs législatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir un président qui va devoir gouverner avec, en guise de parlement, le Conseil suprême des forces armées, qui retire les prérogatives du président, qui aura uniquement comme possibilité de soumettre des projets de loi au SCAF ou de donner un veto au projet de loi proposé par le SCAF. C'est tout. On a un président fantoche, en fait. On a un président qui devra rester à sa place. Et donc, le 24 juin, Mohamed Morsi donc, est reconnu vainqueur des élections et il fait une promesse devant la place Tahrir, hein, l'ambiance est à l'effervescence encore, de régler un certain nombre de problèmes. Là encore, c'est une démonstration de force, puisque symboliquement, il s'investit devant le peuple. Avant de s'investir, bon, non pas devant le Parlement, parce qu'il n'y a plus de Parlement, mais devant la Cour constitutionnelle. Et donc, mal lui en prit, puisqu'à partir du moment où il a été élu,
petit à petit va se mettre en place en Égypte un chaos organisé. Mais vraiment un chaos organisé. J'ai compris à ce moment-là ce qu'était la théorie du chaos organisé, où à la fois les prérogatives d'un président se retiraient, mais à chaque fois où il fait un pas, eh ben, il tombe sur une peau de banane. C'est-à-dire que le SCAF, par exemple, lors de la nomination d'un nouveau gouvernement, il impose ses ministres. Ça commence comme ça. Pas question que Mohamed Ibrahim, le redoutable ministre de l'Intérieur, soit viré. Il reste. Le ministre de la Défense, Tantawi, plus El-Sisi, reste. Les autres postes, les postes ministériels secondaires, sont laissés à des technocrates. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement, on croit qu'on a un pays qui est gouverné, et en fait, on se rend compte que tout est formel, tout est dans l'apparence, dans la vitrine. Et j'ai été vraiment absolument scotchée par la capacité des Égyptiens à mettre en place des trompe-l'œil, en fait, à ce moment-là. Où tout est là, mais c'est factice, le vrai pouvoir n'est pas là. Et on va voir très vite où il est, d'ailleurs. Et parce que Morsi doit faire face à des pouvoirs très puissants qui sont restés, un pouvoir profond, il est là. La caste des juges, alors la caste des juges, c'est quelque chose en Égypte. La caste des juges, c'est des juges qui ont su préserver, non pas l'indépendance de la justice, mais leur indépendance à eux, personnelle. C'est-à-dire qu'on ne touche pas un juge en Égypte. Le régime s'est sali les juges et en rétribution, eh ben, ils ont des tas de privilèges. Quand on est juge, on l'est à vie. Et quand on a la chair de juge, on la transmet par hérédité. C'est vraiment une caste. Donc Morsi va s'en rendre compte très vite parce que c'est eux qui tiennent la haute cour administrative et la cour constitutionnelle. Donc dès qu'il fait un faux pas, on lui annule ses lois. C'est clair, le SCAF passe par les juges pour annuler les projets de loi de Morsi. Hein. Les médias, évidemment. On a des médias privés en Égypte, notamment des chaînes de télévision et des groupes de presse comme Al-Masri Al-Youm, On TV, etc. Des médias qui appartiennent à des manias. Quand je dis des manias, c'est des mecs ultra-milliardaires comme Nagbi Bissawirès, par exemple. Fortement anti-islamiste primaire, qui a créé lui son propre parti aussi, le Parti des Égyptiens Libres, qui lui va agir effectivement en sous-main à travers ses médias pour mener des campagnes très dures contre le nouveau président. C'est vraiment du Morsi bashing, quoi, mais perpétuel, dans les talk-shows, partout. C'est en boucle. Le moindre déplacement, le moindre geste, tout est interprété en Égypte. Et c'est comme une mise en condition de la population, lui et d'autres médias libres, hein, sans compter les médias d'État. Alors là, c'est pire, puisque dans les médias d'État, on va retrouver les rumeurs les plus sombres. Morsi a vendu le pétrole au Gazaoui. Morsi est prêt à vendre le canal de Suez aux étrangers. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tout le temps perpétuel dans une ambiance de comploïte. Moi, moi, en tant que journaliste sur place, d'abord, je ne clamais pas sur les toits que j'étais journaliste, hein, attention, hein, parce que journaliste, ça veut dire espion. Donc j'étais fondue dans la masse, en fait. Je vivais là-bas, j'ai loué un appartement, je vivais comme une Égyptienne. Je faisais mon boulot, effectivement, le plus discrètement possible. Discrète par rapport aux services de sécurité et par rapport aux services secrets, évidemment, puisque, évidemment, les journalistes étrangers sont toujours dans la ligne de mire. Discrète par rapport au travail de témoignage en matière de droits humains, parce qu'il fallait que les infos parviennent à Genève. Mais effectivement, tout en sachant qu'il y avait toujours ce risque d'être arrêté comme espionne. Ça, c'est clair.
C'est une permanente à l'époque du monde arabe, malheureusement. Quoi. Ce que j'avais pour moi, c'est que j'étais algérienne, que les gens pensaient que je venais d'Algérie, que je venais pas de France. Je disais pas que je venais de France. Je venais d'Algérie. Donc j'avais ça pour moi, la culture, la langue, etc. Donc Morsi doit faire face à des pouvoirs très très puissants et une opposition libérale et un petit peu de gauche qui est assez minoritaire, hein, mais qui va jouer en fait cette opposition en refusant systématiquement la main tendue de Morsi, par exemple, pour former le premier gouvernement. Refuser de discuter avec ce président pour notamment la mise en place d'une constituante, en fait une commission qui va être chargée de rédiger une nouvelle constitution. Là, on va avoir des âpres batailles et à ce moment-là, cette opposition à Morsi qui demande au SCAF d'intervenir. Je pense que c'est une erreur énorme, énorme, que des gens qui se prétendent comme faisant partie de l'opposition à l'ancien régime et libre à eux d'être opposants aux frères musulmans, logique hein, que la démocratie se passe, à ce moment-là, quand ils ont un différend avec un président, de demander aux militaires d'intervenir. Je pense que c'est ce qui a vraiment plongé l'Égypte dans la suite. Ils ont une responsabilité, et je vous renvoie là-dessus aux très bonnes tribunes qu'a écrit Alain Grèche dans son blog du Monde Diplo, où il raconte effectivement comment s'est faite cette transition et quel a été le rôle, entre guillemets, de cette opposition dans l'échec de cette transition démocratique, sachant que dès le départ, les dés étaient pipés, puisque je pense que pour le haut commandement militaire égyptien, il n'était pas question qu'une transition démocratique aboutisse autrement que selon l'objectif qu'ils avaient déterminé dès le départ. Alors, dans ce contexte assez explosif, on a Morsi. Je pense qu'il était galvanisé parce que moi j'ai vu ça en Algérie par exemple, où les responsables islamistes, forts de leur succès populaire, sont convaincus que la rue peut faire le poids en face d'une armée. Mais une armée, c'est une armée. Elle a des armes. Le peuple, il peut être dans la rue, mais il n'a pas d'armes. Il n'est pas organisé. Il n'a pas constitué son armée. Mais les gens sont tellement galvanisés qu'ils sont convaincus qu'en mettant des millions de gens, l'armée recule. Ben non. Ben non. Et on aura la démonstration après. Alors Morsi essaye de faire un coup au SCAF pour essayer d'évincer les militaires. Il fait un décret présidentiel dans lequel il s'arroge les décisions législatives et il précise qu'elles seront non recours à justice. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'en face, il a à la fois le SCAF, mais aussi le syndicat, entre guillemets, des juges, qui, dès qu'il fait une loi, ils vont devant la haute cour administrative ou constitutionnelle et ils annulent les lois. À ce moment-là, aux yeux de ses adversaires, il est vu comme un dictateur qui veut arroger tous les pouvoirs. On a eu la même chose dernièrement avec le président tunisien, qui s'est arrogé aussi les pouvoirs législatifs, il n'y a pas très longtemps, mais on en reparlera, devant l'opposition qu'il avait à faire passer des lois. Donc à ce moment-là, effectivement, mais il explique que c'est uniquement le temps que la commission chargée de rédiger la Constitution propose le nouveau texte à référendum et qu'ensuite il abrogera ce décret. Et donc là, on a un véritable bras de fer qui s'engage entre le président et le SCAF. Mais Morsi maintient sa position et à partir de décembre 2012, à ce moment-là, on a la rue, effectivement, qui va jouer contre les urnes, puisque
des manifestations ont lieu contre le nouveau dictateur, c'est clair, qu'une campagne de lynchage médiatique, mais très très violent, se met en place contre le président Morsi, contre les frères musulmans et ceux qui sont pour la légitimité de ce président élu, hein, donc y compris des gens comme du mouvement des 6 avril, etc. Ils sont lynchés aussi. Ce n'est pas uniquement les frères musulmans qui vont se faire lyncher. Il y a aussi des personnalités indépendantes comme ça, Ahmed Maher par exemple, qui à l'époque est complètement lynché et sera même arrêté. On a donc toute cette campagne atteint son paroxysme au 4 et 5 décembre, où on a des manifestants qui campent devant le palais présidentiel pour déjà demander la démission de Morsi. Dès le mois de décembre, on a ça. Et dans ces manifestants, évidemment, on a la police qui est là, mais la police en civil qui agit, hein, en soutien aux manifestants. À ce moment-là, on a des heurts, des affrontements entre pro-Morsi et anti-Morsi. On a 200 morts, hein, quand même. C'est très violent, les affrontements en Égypte. Et une police toujours aux abonnés absents. Police qui n'intervient pas dans les heurts. Par contre, à l'époque, donc, j'étais en Égypte, et il se trouve que je connaissais, donc j'avais tout un réseau de gens qui me racontaient et qui me disait qu'ils avaient eu la visite de policiers en civil qui leur proposaient de l'argent, des armes, etc. Des gens qui étaient issus des courants, entre guillemets, révolutionnaires trotskistes ou des syndicalistes. Donc on a un pouvoir profond qui agit, en fait. C'est ça le problème. Un pouvoir qui est là très puissant, avec la police, les militaires et les services. Hein, notamment les services de sécurité intérieure. Et donc, on arrive au deuxième anniversaire de la révolution en janvier 2013, où d'un côté, donc, les pro-Morsi n'appellent pas à venir sur la place pour pas qu'il y ait des heurts, et on a uniquement les courants libéraux et les révolutionnaires qui sont sur la place et qui demandent effectivement toujours le départ, qui commencent à demander le départ du président. À ce moment-là, on a l'Institut islamique d'Al-Azhar qui joue les médiateurs, et on a une rencontre entre le président Morsi et effectivement des personnalités issues des courants libéraux comme Mohamed El Baradei, par exemple. Je ne sais pas si vous savez qui il est, mais il a été directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui avait fait une inspection en Irak pour vérifier s'il y avait des stocks d'armes atomiques ou pas, et qui avait conclu que non. Et il a été prix Nobel de la paix en 2005, quand il y a eu la révolution en Égypte. Il est rentré en Égypte, et notamment pour se présenter pour président, mais par la suite. Hein. Il avait déjà lui-même, parmi les candidats, c'est un nom que j'ai oublié, il s'était présenté comme, il avait dit qu'il se présentait comme président en mars 2011, puis il a retiré sa candidature, parce que je pense qu'il n'est pas idiot. Il a très bien compris ce qui se mettait en place et qu'il ne s'est pas du tout présenté au présidentiel. Par contre, il a joué un rôle dans la suite. Et donc, tout le monde s'est mis d'accord pour dénoncer la violence, etc., mais tout le monde campait aussi sur un statu quo. Et là, on a Morsi qui est complètement acculé, qui va décréter l'état d'urgence pour un mois. C'est après les gros incidents et de l'encerclement du palais présidentiel et des incidents qui se sont déroulés dans les villes côtières, notamment Port Saïd et Ismaïlia, puisqu'à Port Saïd avait eu lieu le procès des agresseurs des supporters de Ahli, qu'il y avait eu des condamnations à mort et qu'à ce moment-là, il y avait eu l'émeute dans la ville. Puisqu'aucun policier n'a été condamné, ni aucun responsable policier. En fait, on a condamné des lampistes à ce moment-là de toutes ces agressions, et que les peines étaient très lourdes, c'est de la condamnation à mort, quoi. Voilà. Sachant que la peine de mort n'est pas abrogée en Égypte. Et donc, on a un président qui est complètement acculé et qui va jouer sa dernière carte en fixant des élections législatives au 22 avril.
mais il s'attaque quand même à la réforme de la justice. Comment? Par un biais détourné, en mettant à la retraite les juges de plus de 60 ans. Il faut dire qu'en Égypte, les juges bien installés tenaient à durer, donc n'étaient pas mis à la retraite avant 70 ans. Le président fait un décret pour que les juges soient mis à la retraite à partir de 60 ans, ce qui nettoierait en gros la justice de 1300 juges. À ce moment-là, les gens descendent dans la rue en accusant Morsi de vouloir frériser les institutions. Donc on a fort mécontentement dans la rue, on met les gens dans la rue, et on a tous les courants qui sont là contre Morsi, y compris ceux qui avaient soutenu la légitimité du président, notamment les jeunes du 6 avril, Kifaya, etc. Ils rejoignent effectivement la rue, ils manifestent, et dans le même temps, le procureur du Caire lance des mandats d'arrêt contre des personnalités issues de ce qu'on appelait la révolution du 25 janvier, donc Ahmed Maher, le mouvement du 6 avril et d'autres, sont arrêtés, effectivement. Et je pense que si on les a arrêtés à ce moment-là, c'est pour augmenter la grogne populaire en disant, vous voyez, sous Morsi, on arrête encore les militants politiques. Et là, le message est clair. Et on a tout le temps des manipulations de masse comme ça en Égypte. C'est pour ça que je vous donne tous ces détails, parce qu'il faut vraiment être sur place pour le croire, quoi. C'est hallucinant, mais vraiment hallucinant. Comment les choses se nouent, se dénouent, comment tout va très rapidement, comment tout est accéléré ou ralenti. Et dans le même temps, on a aussi un animateur vedette de TV qui était rentré en Égypte au moment de la Révolution. Il s'appelle Bassam Youssef, qui avait fait une super émission, très drôle, etc., sur le même mode que les talk-shows américains. C'était un talk show qui s'appelait le Bernamak, le programme, qui était très très populaire en Égypte. Et à ce moment-là, lui aussi donc est poursuivi pour diffamation envers le président. Et là, effectivement, ça crée un mécontentement général, parce qu'alors même qu'il diffamait le président, il n'a jamais été mis en prison, et que c'est Morsi qui avait retiré toute la prison préventive en termes de presse, pour la diffamation en termes de presse. Il a été condamné à 1300 livres d'amende, mais ça a provoqué, il était tellement populaire, ça a provoqué un grand mécontentement général en disant si lui est attaqué, il n'y a plus de liberté d'expression. En gros, c'est simple, et les journaux y vont. Hein. La presse, la télé, ça matraque. Tous les jours, hein, en continu, regardez ce qu'il faut, regardez ceci, regardez cela. Mais en février, on a l'autre camp qui est là, donc effectivement, la logique des camps est bien installée. Il y a les pro-Morsi, les anti-Morsi, c'est clair et net. Donc en février, on a des milliers de personnes qui descendent des pro-Morsi partout, dans toute l'Égypte, pour défendre leur président. Voilà. Donc là, on a vraiment... tout est là pour aller à l'affrontement. Le dernier vendredi de mars, on a tous les QG des frères musulmans d'Égypte qui sont incendiés. Donc on a une série comme ça d'incidents qui sont là à travers tout le pays pour mettre le feu aux poudres, en fait. Et à partir de mai, alors, ça va être l'Alali contre Morsi. Et l'Alali contre Morsi, c'est un mouvement qui naît comme ça, d'une étincelle. Il s'appelle Tabarout. Tabarout, ça veut dire rebelle. Trois personnes, Mahmoud Badr, Mohamed Abdelaziz et Hassan Shaheen, qu'on va retrouver ensuite dans le staff des présidentielles, pour deux d'entre eux, du général Al-Sisi. Et l'un à l'autre va aller chez Sabahi. Et ces gens-là ont une idée superbe, effectivement, ces jeunes-là, qui étaient quasiment inconnus, hein, c'est de faire circuler une pétition qui dit « Parce que la sécurité n'est pas revenue, que les démunis sont toujours ignorés, que l'économie s'est effondrée, que la dignité est toujours absente pour moi et mon pays,
qu'il faut voir, c'est qu'en Égypte comme en Algérie, on a un nationalisme ombrageux, mais puissance 10, quoi. On ne touche pas au pays. Très nationaliste, les Égyptiens. Et je pense que les Algériens sont autant nationalistes que j'avais. Je pensais qu'on ne pouvait pas plus être nationaliste que des Algériens. Et là, j'ai vu qu'en Égypte, vraiment, c'est à des niveaux extraordinaires. Mon pays. Donc, nous ne voulons plus de toi. Toi, c'est le président. Et donc, cette pétition va remporter très vite un succès, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est la crise. Parce qu'il y a pénurie d'essence. Parce qu'il y a des coupures d'électricité, il y a des coupures d'eau. Rien ne marche, la circulation ne va pas. Il faut faire des chaînes interminables pour certains produits, des chaînes interminables pour pouvoir circuler pour l'essence. Et que la réalité, c'est que d'énormes moyens sont fournis aussi à cette campagne par des manias du BTP, donc comme Mamdouh Hamza, et par par le mania de Télécom, dont j'ai parlé, Naguib Sawiris, qui avait créé lui son propre parti. Donc il donne à ces jeunes, il met à disposition dans tout le pays les bureaux de son parti, et Mamdouh Hamza va financer complètement la pétition, le papier, l'impression, les badges, les banderoles, enfin. Donc les Tamaroud va être présent simultanément dans toutes les djib, et les médias sont ouverts aux représentants de Tamaroud, puisqu'ils vont, ils vont intervenir sur toutes les chaînes de l'Égypte directement. Donc là, vraiment, on a un bashing généralisé d'un président qui devait assurer une transition vaille que vaille. Et ce mouvement va appeler à une grande manifestation pour le 30 juin. Et donc le 30 juin arrive, effectivement, et des centaines de milliers de personnes arrivent sur la place Tahrir. D'autres manifestent à Alexandrie et sur toutes les villes portuaires du Nord. Alors on a beaucoup dit des millions d'Égyptiens. La réalité, c'est que des millions dans toute l'Égypte, oui. Des millions sur la place Tahrir, non, parce que les spécialistes de comptage du Canada expliquent qu'on ne peut pas être plus de 4 par mètre carré et que place Tahrir, le maximum, c'est 250 000 personnes. Qui est quand même énorme. Donc il y avait un fort mécontentement populaire, effectivement, contre Morsi. Mais je pense que si l'opposition avait été avisée, elle aurait demandé à retourner aux urnes. Sauf que le problème qui se posait à cette opposition, c'est qu'elle était consciente qu'elle était encore assez minoritaire, qu'il aurait fallu travailler encore plus pour persuader les gens de voter pour elle et d'avoir des scores, et que le parti le plus organisé du pays en dehors de l'armée demeurait les Frères musulmans, en fait, puisqu'ils avaient un fort volet social. Ils avaient, si vous vous souvenez par exemple des tremblements de terre qu'il y a eu en Égypte, où il y a eu des effondrements d'immeubles et tout, les Frères musulmans palliaient à toutes les carences de l'État. Moi je l'ai vu, parce qu'ils ont mis en place depuis très très longtemps, c'était un deal qu'ils avaient eu avec Sadat, vous nous foutez la paix, on vous laisse le social. Donc ils avaient mis en place dans tout le pays des dispensaires, des cliniques, des bureaux de formation, des aides pour les jeunes, etc. Vraiment, ils avaient quadrillé le pays avec tout le volet social, comme l'a fait le Parti communiste pendant un temps. Logique. Donc ils étaient très très organisés, et que je pense que l'opposition à ce moment-là, leur opposition se sent en dehors des anciens partis comme le WAFT ou comme le GAD, qui avaient leur électorat de libéraux, les autres ne se sentaient pas encore assez matures pour renouveler des élections face aux Frères musulmans. Ce qui est d'ailleurs dommage, puisqu'ils ont prouvé de ce fait qu'ils n'étaient pas entièrement finalement démocrates, puisque la démocratie, c'est de jouer l'alternance et d'aller s'affronter, en fait, politiquement parlant, pas avec des armes, devant les électeurs. Et donc, le 30, des millions dans l'Égypte, et le 3 juillet, effectivement, l'armée fait son coup d'État, le maréchal
Sisi est vu partout, en tenue militaire, il annonce à la télé, encadré par Mohamed Al-Baradei, justement, par le patriarche copte, par le grand mufti d'Al-Azhar, qu'effectivement, l'armée reprend la commande pour la transition démocratique. Et donc l'armée désigne comme vice-président Mohamed Al-Baradei. Il est chargé de mettre en place un gouvernement de technocrates. Et comme par miracle, plus de pénurie d'essence, l'électricité revient, l'eau coule à flot, etc. Les produits de première nécessité. Donc ce gouvernement est constitué pour assurer une transition jusqu'aux nouvelles élections législatives, puis présidentielles. Et on assiste à une véritable Sisi-mania. On a d'un coup les affiches d'Al-Sisi dans toutes les grandes tapis du Caire. On vend des gâteaux à l'effigie d'Al-Sisi. On a des présentatrices à la télé en treillis qui à la gloire d'Al-Sisi, etc. C'est vraiment une grosse Sisi-mania qui se met en place. Et sauf qu'il y a un problème de taille. C'est que les frères musulmans ne lâchent pas prise. Ils appellent leur soutien à manifester dans les rues. Et effectivement, on a des millions d'Égyptiens qui se mobilisent et qui manifestent à ce moment-là dans toute l'Égypte, pas seulement au Caire. Ils ne viennent pas à la place Tahrir, mais ils manifestent à Giza, ils manifestent dans des tas de quartiers, devant les universités, dans les universités, dans toute l'Égypte. Et comment faire? L'opposition se manifeste dans la rue. L'opposition, frères musulmans. Mais pas que des frères musulmans. Il y a des libéraux qui rejoignent aussi les frères musulmans. Et notamment, il y a un campement qui se met en place sur la grande place Rabi al-Hadawiya, dans un autre quartier du Caire, pas loin de la place Tahrir. C'est aussi une grande place où il y a une mosquée. Et les frères musulmans, donc, et leurs alliés, s'installent et organisent un campement. Et on est donc en juillet, il y a un campement qui est installé dont l'armée n'arrive pas à se débarrasser. C'est un problème. À ce moment-là, le général Sisi appelle les Égyptiens à manifester pour lui donner, je cite, « mandat contre la violence et le terrorisme ». Qu'est-ce que ça signifie en Égypte? Ça signifie qu'on commence une campagne de disqualification de l'opposant. C'est aussi simple que ça. Et la meilleure façon de le disqualifier, c'est de le désigner comme violent et terroriste. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est frère musulman est considéré comme terroriste. Tout ce qui est allié aux frères musulmans est considéré comme terroriste. Et donc, des milliers d'Égyptiens répondent à l'appel d'Al-Sisi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une culture en Égypte, c'est que quand Al-Sisi est arrivé, tout de suite dans le métro, on avait une fresque. Pour ça, j'ai dit, moi j'hallucine, parce qu'en une nuit, on installe des trucs. Ça veut dire qu'ils sont préparés avant, quand même. Nasser al-Sisi. Vous imaginez la surprise pour les Égyptiens? Nasser, il est sacré. Dans tout le monde arabe, Nasser est sacré. Donc, il avait une association directe, al-Sisi, avec Gamal Abdel Nasser. C'était le nouveau Nasser. Et les Égyptiens, une grosse partie marche. Pourquoi? Parce que malheureusement, en Égypte, il y a un taux d'analphabétisme très fort. Qui approche les 60%, 64%. Et qu'effectivement, les gens ont besoin de se rassurer aussi. 3 ans d'insécurité, 3 ans où le commerce ne tournait plus, où le tourisme s'était stoppé. Il fallait un homme fort au pays. Et l'homme fort, c'était Al-Sisi. Et Al-Sisi qui s'inscrivait dans la filiation de Nasser. Et le message donc qu'Al-Sisi donne est très clair, c'est lui ou le chaos. Et l'armée est là pour protéger tous les Égyptiens, sauf les terroristes. Et à ce moment-là, les chaînes affichent en continu en Égypte, l'Égypte est en guerre contre le terrorisme. C'est ce que l'Égypte vend à ses amis occidentaux, pour justifier un régime de dictature sanguinaire, mais vraiment sanglant. Et donc, le 14 août au matin,
on a un massacre de sidération. J'appelle ça un massacre de sidération. C'est le massacre de Rabi al-Hadawiya et de la place Nahda au Caire. Il faut frapper les esprits pour les dissuader de protester. Et là, je vous renvoie au très beau rapport qui a été fait par Human Rights Watch, qui parle de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que sciemment, l'armée, aidée des forces de police, a investi une place sans aucune sommation, a écrasé avec ses bulldozers des protestataires, des occupants, a tiré. Et ce jour-là, d'après Human Rights Watch, on a 1200 morts en 12 heures. C'est énorme. Alors, il y a eu des protestations internationales. Obama a protesté et a retiré le soutien, l'aide militaire à l'armée égyptienne pour un temps. Elle a été revotée après par le Congrès. La France a protesté du bout des lèvres. Et d'ailleurs, Sisi, quand il est venu à Paris, il a remercié le gouvernement français à ce propos. Et effectivement, donc massacre de sidération, mais les gens continuent à manifester dans toute l'Égypte. Et au fil du temps, donc les manifestations vont s'amenuiser, parce qu'à partir de ce moment-là, l'Égypte va plonger dans une répression féroce. Les chaînes de TV appellent à la délation. J'ai l'impression que j'ai vu les nazis s'installer. C'est ça. J'ai compris comment, à un moment donné, on pouvait monter une partie de la population contre une autre, comment on pouvait faire en sorte que des gens applaudissent à un massacre. Comment on pouvait pousser à la délation, effectivement. Et à ce moment-là, effectivement, la traque est lancée contre tout ce qui est frère musulman, mais pas seulement. Et Ahmed Maher, notre ami du mouvement du 6 avril, très lucide, qui lui s'est désolidarisé du front de salut national appelé par El Baradei et d'autres, dit le lendemain quand même, du coup d'État déjà, la campagne médiatique soutenant la violence et les diffamations est orchestrée par les partisans de l'ancien régime. Elles ne tarderont pas à viser tous les jeunes et tous les symboles de la révolution pour rétablir l'état de l'oppression. C'est-à-dire l'état de l'oppression était de Moubarak. Mais je vous assure que, même les Égyptiens le disent, l'état d'El-Sisi est pire que l'état de Moubarak. Il n'y a plus d'interstice d'expression pour la liberté d'expression et autres. Il y a, après la traque contre les frères musulmans, donc tous les dirigeants, Morsi a été mis en prison, où il est mort d'ailleurs, les frères musulmans, donc les cadres, tous les cadres d'une organisation ont été arrêtés. Les organisations internationales ont compté à peu près 60 000 personnes détenues en Égypte, et auxquelles est venu s'ajouter tout ce qui était opposition au régime d'Al-Sisi. Donc les gens du mouvement du 6 avril, Kifaya, d'autres, et surtout un phénomène auquel j'avais assisté en Algérie, qui s'est installé en Égypte dès ces années-là, c'est les disparitions forcées. C'est-à-dire que, comme en Argentine hier, pour tenir une société afin qu'elle ne bouge pas, le remède qui a été trouvé par ces régimes de dictature, c'est la disparition forcée. Les gens ont commencé à disparaître, mais par dizaines, par centaines, etc. Et quand je suis retournée en Égypte en 2016, je suis retournée sur une mission disparition forcée, justement. Il se trouve que j'avais eu l'expérience des disparitions forcées en Algérie. J'avais accompagné les familles de disparus d'Algériens en montant des ateliers au Maroc, et qu'en 2016, je suis retournée en Égypte pour monter des ateliers disparition forcée auprès des familles de disparus qui avaient commencé à manifester, donc leur apprendre tout, quoi, comment communiquer, etc., se protéger, les procédures, signaler les disparitions aux commissions des droits de l'homme de l'ONU, enfin tout un travail de fourmi à faire auprès d'elles, parce qu'effectivement, ça a atteint un degré. Sauf qu'en Algérie, en Égypte, contrairement à l'Algérie, le fait qu'on ait réagi tout de suite par rapport aux disparitions forcées a fait que les gens ne disparaissaient pas définitivement, c'est-à-dire qu'on les tuait dans un coin et qu'on les mettait dans une fosse commune,
C'est ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, on a trouvé des charniers, on va en trouver encore par rapport aux disparus. C'est que les Égyptiens avaient la chance de réapparaître en prison. D'où le programme d'Al-Sisi de construire 11 prisons supplémentaires. Ils disparaissaient 15 jours, 2 semaines, 3, 2 mois. Et ils étaient évidemment seulement torturés, mais torturés pas pour, uniquement pour avoir des aveux, il fallait les punir. Il faut qu'ils se souviennent. On ne bouge pas. Et ensuite, jeter en prison dans des conditions horribles, puisqu'il faut savoir qu'une cellule en prison, il n'y a pas de cellule, ce n'est pas des cellules individuelles, on les met par 60 dans 40 mètres carrés, quoi. Avec très peu de vivres, avec quasiment pas de droit de visite, etc., etc. Et donc toute la société à ce moment-là, c'est ce que m'a raconté mon ami qui dirige une ONG de défense des droits humains égyptiens, qui m'a dit à ce moment-là, on est occupé, on nous occupe à la libération des détenus politiques. Il a traduit ça, on nous occupe, on n'a que ça à faire, on ne peut plus contester, on demande la libération, on passe un temps infini dans les tribunaux. Il faut savoir qu'en Égypte, la justice, c'est quelque chose. Les personnes arrêtées sont déférées devant le procureur, qui prolonge la détention préventive, qui est prolongée au bout de 15 jours, qui est prolongée au bout de 15 jours, qui est prolongée pour 45 jours, et qui finalement atteint les 2 ans et plus. Et puis certains, ceux qui ont de la chance, sont libérés, et les autres continuent. Donc effectivement, on a actuellement plus de 60 000 détenus politiques en Égypte, majoritairement frères musulmans, mais pas seulement. Et on a une impasse totale quant à la suite de l'avenir de la société égyptienne pour le moment, puisqu'on a un terrible retour finalement à la case départ qui s'explique par le fait que le régime n'a jamais changé. On a exactement la même chose qu'en Algérie. Il se trouve que j'ai suivi l'Algérie pendant très longtemps, c'est mon pays d'origine, que j'étais en Algérie pendant les émeutes d'octobre 88, donc en Égypte c'était le deuxième soulèvement populaire auquel j'assistais, et que le processus qui s'est mis en place en Algérie, notamment la suspension des élections, là on a suspendu un président mais pas des élections, après avoir démichadli, en Algérie on démichadli Benjedid, on fait manifester l'opposition et l'armée intervient, suspend le processus électoral. Là, on a à peu près le même phénomène, comme s'il y avait un copier-coller, mais avec un... Comment dire, en Algérie, on est plus frontal, en fait. Hein. En Égypte, on arrondit les angles, on fait très attention aux apparences, on fait un conditionnement et on arrive à ses fins, puisque Al-Sisi tient l'Égypte actuellement d'une main de fer, en fait. Voilà. Je vais essayer de vous projeter quelques photos maintenant, mais je pense que j'ai été trop bavarde. Que j'aurais voulu vous laisser du temps pour parler un peu. Alors, je vais essayer de vous projeter quelques photos, mais on peut parler pendant la projection des photos, en fait. Hein. Je vais faire ça. Je vais vous projeter l'expo Martillac. Voilà, où vous allez voir les occupations de la place Tahrir. Et je vais mettre ça en diaporama. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous. Voilà. Nous a dit que les cavaliers sur les chameaux étaient des Antilles. C'était plutôt des pro-Moubarak. Oui, c'est des pro-Moubarak, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils étaient instrumentalisés, les pauvres. Le tourisme était bloqué, ils ne gagnaient plus leur vie. Quand la police politique est venue les voir et leur a dit « Bon, tant de milliers de livres, vous faites ça ben, », ils le font. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a instrumentalisé à chaque fois monter les Égyptiens les uns contre les autres. Et ça, c'est ce qui m'a fait le plus peur, en fait, en Égypte. Comment, à un moment donné, comme en Algérie, d'ailleurs, quand il y a eu la purge anti-islamiste, puisqu'en Algérie, on a eu ce qu'on appelle dans les années 90 un politicide, un vrai politicide. Quel que soit le
fait partie en question. Moi, je fais partie, je suis farouchement attachée aux droits humains, et même si mon adversaire, si je ne suis pas d'accord avec mon adversaire, je vais défendre ses droits, bien sûr. Dans mon livre, vous le trouverez en sortant, je ne suis pas très, comment dire, je dresse un tableau pour moi réaliste de ce que sont les frères musulmans. Je raconte les faits uniquement, j'idéologise pas. Et c'est vrai que les frères musulmans s'apparentent à un parti libéral conservateur, comme on en a ici avec De Villiers ou avec, comment est-ce qu'elle s'appelle, l'ex-ministre issu des milieux cathos. C'est ça un frère musulman, mais c'est aussi leur droit de constituer leur parti politique et de s'exprimer dans une démocratie. Le problème, c'est que malheureusement en Égypte comme en Algérie et ailleurs, la culture démocratique n'est pas encore vraiment là, en fait, puisqu'on est dans des sociétés très militarisées. Pourquoi je parle de ça? Parce que, comme par hasard, à la fois l'Algérie comme l'Égypte sont des régimes militaires. Ce n'est pas le cas de la Tunisie. La Tunisie, on n'a eu que des régimes civils. Hein. C'est différent. On avait une police politique aussi terrible sous Ben Ali, n'est-ce pas? Mais on n'a pas cette militarisation, en fait, de la société. Or, en Algérie et en Égypte, je crois que la culture commune, c'est la militarisation de la société, et donc ça crée aussi des schémas de pensée, et notamment cette logique de camp où tu es avec moi ou tu es mon ennemi. Et là, ça devient terrible. Terrible. Je vous laisse regarder ça, c'est l'occupation de l'été, justement, des jeunes de l'été. Où il y avait énormément de monde encore pendant l'été 2011 hein, qui manifestait. Et là, c'est l'occupation devant le palais du gouvernement, en fait. Où il y a les gens viennent et passent avec leurs panneaux et s'expriment et réclament. Et déjà, on demandait à ce que le pouvoir civil soit installé rapidement à l'époque. Oui. À la base, c'est un pays nationaliste. Hyper nationaliste, bien sûr. Donc, il est difficile de comprendre qu'il puisse être. Pardon. Il est difficile de comprendre qu'il soit manipulé à ce point. Et qu'il accepte, bien sûr. Ils en meurent. Beaucoup sont morts. Bien sûr. Mais. Ils sont dans la souffrance en permanence, ces gens, depuis des dizaines d'années. Oui. Et comment peuvent-ils, par quel biais pourraient-ils se rebeller sans qu'il y ait cette armée? Oui, c'est ça la grande question. Oui, parce que, tout à fait. Le problème, c'est quand... j'étais avec des groupes de comités populaires, là. Où notamment j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Wael Ali, qui était un ancien directeur d'agence, qui avait quitté son agence à Ourgada, d'agence de tourisme, et était venu organiser les jeunes sur la place. Bon, lui, il savait organiser les groupes, hein, y a pas de souci. Il a été très vite repéré par les services, évidemment, la police politique était là, et a considéré que c'était quelqu'un de dangereux qui travaillait en relation avec l'étranger, toujours, le complot venu de l'étranger. Et donc, il a été après l'épisode des officiers libres arrêtés, on l'a accusé d'avoir fait venir, il aurait été fort d'avoir fait venir un escadron, hein, quand même, de Suez. Hein. Donc, on lui a monté un dossier, en fait, de toutes pièces, parce qu'il fallait donner un exemple au peuple, et notamment, c'était un cadre, finalement, de la société civile. Comment dissuader les autres de bouger? Et donc, il a risqué la peine de mort. On s'est démené, effectivement, pour le mettre sous parapluie, donc droits humains, l'ONU, etc. Et casser cette logique qui faisait qu'il était considéré comme traître et présenté comme traître à la télé, etc. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais allée voir le juge en disant « Le complot venu de l'étranger, c'est moi. Alors mettez-moi en prison. »
parce qu'il fallait casser cette logique qui était dans son dossier. Alors effectivement, c'est risqué, bien sûr, mais moi je venais après tout de l'étranger, j'étais de nationalité française, j'escomptais bien que s'il m'arrivait quoi que ce soit, la France me réclamerait, d'accord ? Mais qu'il fallait tenter à un moment donné, casser cette logique dans laquelle on me mettait un cadre de la société civile, finalement, pour faire peur à tout le monde, la peine de mort. J'ai vu des familles de condamnés à mort, ça j'en ai pas parlé, c'est toute une période après le coup d'État où on a condamné, où on a fait des procès de masse et on a condamné à mort les gens, 500 condamnations à mort dans un procès. Des gens accusés à tort, les premiers condamnés à mort durant l'année 2016, du moins qui ont été exécutés, l'Égypte exécute ces condamnations. Moi, j'ai connu les familles, j'en parle avec émotion parce que j'ai rencontré les familles de ces condamnés à mort qui me racontaient qui étaient les leurs. Ils étaient punis. On a puni le peuple égyptien. Tout comme à un moment donné, on a puni le peuple algérien en le terrorisant, en manipulant la violence, en tuant des gens à Bentamha et ailleurs. Avec des alibis. Et avec toujours des alibis, bien sûr. Toujours la lutte contre le terrorisme. Voilà, toujours des... Tout le temps. Oui. Et c'est terrible, terrible. Effectivement, la grande question que je vous pose, c'est comment venir à bout d'un régime militaire qui possède un pays. Voilà. La lutte armée ou non-violence, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien le problème, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a l'extérieur aussi au pays. Exactement les soutiens. Moi, je considère que, de par le fait que la France ait fermé les yeux depuis Hollande, puisque j'étais en Égypte, quand Hollande est venu vendre ses mirages, j'ai assisté à la conférence de Hollande et j'ai eu honte devant mes amis égyptiens qui me disaient « Mais la France paye des droits de l'homme !» Et je leur disais « C'est le business, malheureusement. » Malheureusement, c'est le pouvoir et l'argent, toujours. L'argent qui fait que nos gouvernants ferment les yeux. Oui, mademoiselle. C'est effrayant de savoir, de voir que ce peuple vit dans cette souffrance depuis des années. Bien sûr. Et jusqu'à quand? C'est là le problème. On rejoint votre question. Oui, mademoiselle. Oui, j'ai un élément par rapport à votre question, et puis moi aussi j'ai une question après. Par rapport à votre question, pour ce qui est de mon domaine de compétence, qui est l'immigration et l'Union européenne, je sais que l'Égypte... Vous pouvez articuler, s'il vous plaît, chez Jules. Pour votre question, pour ce qui est du soutien extérieur que reçoit un régime comme le régime égyptien et qui lui permet de prospérer autant malgré les actions qu'il commet, s'agissant des pays européens et notamment de la France, un des déterminants, c'est que l'Égypte est un des premiers partenaires de l'Union européenne s'agissant de gérer les migrations à destination de l'Union européenne. C'est l'un des aspects, oui, avec, avec les armes. Oui, c'est ça. L'achat d'armes. Et dans des rapports encore récents européens, l'Égypte est vraiment félicitée et encensée, et Al-Sisi même nommément, comme le pays et le gouvernement qui empêchent le plus de personnes d'essayer d'emprunter les routes de Méditerranée, les routes migratoires de Méditerranée pour venir. Et il y a vraiment l'Égypte n'est pas le seul État avec lequel il y a ce genre de deal. Mais exactement, la Libye, c'est aussi efficace. Mais la Libye n'est pas aussi efficace que l'Égypte. Et l'Égypte est jugée plus efficace même que la Turquie. Oui, mais c'est ce que l'Égypte a vendu à l'Europe. Tout à fait. Exactement. On vous retient les migrants et puis on vous achète vos armes. Tout à fait. Et la perversité du maréchal Al-Sisi, ça a été de dire mais si c'est pas la France, c'est l'Allemagne. Si c'est pas l'Allemagne, c'est l'Italie. Je peux acheter où je veux. Je vais en Russie. Je vais en Chine. Il sait jouer de ça. Il joue des rivalités. Et il sait que, par exemple, les Français avaient besoin de vendre leur mirage. Ça a été le premier contre-mirage, l'Égypte. Hein, les rafales, pas les mirages, excusez-moi. Les premiers contre-rafales, effectivement, j'ai beaucoup écrit là-dessus.
Et j'ai expliqué dans mes papiers comment les rafales avaient coulé les droits humains à chaque visite, finalement. Et la réponse à l'époque du gouvernement français, notamment, ça a été de dire « Oui, mais vous comprenez, si ce n'est pas nous, ça sera d'autres. » Alors, pour habiller un petit peu leur forfaiture, j'appelle ça une forfaiture, ils acceptaient que les organisations de défense des droits humains, notamment Amnesty International, leur donnent une liste de 15 malheureux à faire libérer. Et à chaque visite, ils présentaient la liste des 15 malheureux à El-Sissi. Mais El-Sissi, mais il s'en fout complètement. Quand il fait venir Hollande en Égypte pour l'inauguration du nouveau canal de Suez, c'est pour lui faire miroiter les contrats. C'est rien d'autre. Et donc, je trouve que nos gouvernements se sont vraiment rabaissés, vraiment, à des considérations uniquement mercantiles. Alors, dépendamment de ça, je voudrais votre avis sur quelque chose. J'ai beaucoup d'amis au Caire, oui, qui, pour part d'entre eux, ont pris part à la révolution, ont perdu beaucoup de gens et voilà, oui, tout ce que vous avez dit, et qui sont maintenant dans une logique d'essayer de travailler pour l'État égyptien, du fait que en fait, la situation économique est tellement catastrophique, tout à fait, oui, qu'en fait, l'impression que j'ai en les écoutant et en discutant avec eux, c'est que je ne sais pas à quel point c'est quelque chose de calculé, de penser au niveau du gouvernement, mais il y a vraiment cette chose où j'ai l'impression que la seule manière d'avoir, même pas d'être, de gagner énormément d'argent, mais juste de gagner assez pour pouvoir fonctionner, c'est soit de travailler pour l'État à un coût vaste, oui, soit de travailler pour des énormes multinationales qui pour sont les vraiment manières, les créatrices, oui, qui n'ont absolument pas les intérêts du pays à cœur. Et du coup, à quel point vous pensez que ça joue sur le fait que ce régime puisse tenir, ou le fait que déjà, des gens qui ont perdu énormément d'amis, qui ont vu l'armée tirer dans la rue sur leurs amis, sont assez refroidis, clairement. Mais aussi, sur cette chose, en fait, des personnes qui, même ont pris part à la révolution, se retrouvent plus ou moins contraintes, finalement, de travailler pour l'État, avec tout ce que ça implique d'espionnage permanent, de devoir de réserve, etc. Et voilà, qu'est-ce que... Alors, c'est simple, dans tous les régimes, les régimes dictatoriaux reposent sur deux jambes, la terreur et la corruption. Ce que vous me racontez, c'est la corruption de la société. On corrompt la société. Si tu veux manger, tu tranches, tu ne fais pas de politique, tu viens travailler pour nous. Ou, comme l'Égypte est entrée de plein pied dans le libéralisme global... Elle avait commencé depuis sa date, mais elle a accéléré, puisque, comme par miracle, le FMI a fini par donner les crédits, Al-Sisi a trouvé de l'argent en Arabie Saoudite, des sociétés nationales ont été privatisées. Donc, soit tu travailles dans le privé, effectivement, pour les gros manias dont j'ai parlé, ou tu travailles pour l'État. Et en dehors de ça, tu restes dans ta misère. Je suis allée dans des quartiers, notamment à Mataria. Alain Grèche est allé à Mataria et il a raconté ce qu'il voyait. Vous rendez compte, s'il n'y avait pas la solidarité des pauvres, les gens mourraient de faim. C'est ça, l'économie. La solidarité des pauvres. Mais en même temps, je me dis une chose. Pour répondre à la question, que le grand tort est de l'opposition au régime, ça a été de penser que une armée pouvait faire une transition, une armée de cette nature pouvait faire une transition, impossible. Deux, c'est le rapport au pouvoir, la verticalité. Et je crois que ce qu'on a appris de ces révolutions inachevées, je suis convaincue que c'est que la première vague d'une révolution et que le reste est à venir, puisque les sociétés apprennent aussi. Tout comme en Algérie, on a appris et que pendant plus d'un an, on a manifesté, même si on n'en voit pas le bout, avec le mouvement Barakat. Mais l'apprentissage se fait que l'une des solutions, c'est pas la verticalité, c'est-à-dire qu'on s'adresse au pouvoir parce que c'est lui le plus fort, c'est lui qui tient les rênes de l'économie, c'est lui qui a une armée, c'est lui qui a un drapeau et une monnaie.
En gros, c'est ce que disent les Algériens. L'Algérie, c'est une mafia avec un drapeau et une monnaie. On peut en dire autant avec l'Égypte. Mais que la solution est dans l'horizontalité. Et quand j'ai vu ce qui s'organisait sur la place Tahrir, le premier chapitre de mon bouquin, c'est la commune de Tahrir, quand j'ai vu la capacité de la population à s'organiser pour tenir un siège, longtemps, la solidarité qui était là, quand je suis allée à Matariya aussi, où j'ai vu comment les classes populaires s'organisaient pour ne pas crever de faim, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Je pense que l'une des voies à mettre en perspective ou à creuser, c'est l'horizontalité. C'est-à-dire se démettre de ce rapport au pouvoir, laisser le pouvoir de côté pour créer des zones libres, en fait. Oui, et actuellement, justement, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le régime égyptien et notamment Al-Sisi, a fait l'erreur de créer de toutes pièces une nouvelle capitale en dehors du Caire, où il y a concentré les pouvoirs, la haute administration, les ministères, les ambassades qui vont envoyer une antenne là-bas, et surtout les riches, les plus riches, qui vont être réunis dans un même lieu. C'est une mégalomanie terrible. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Attendez. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Ouais. En partie.